La pêche est toujours pratiquée dans le lac Tanganyika. Sur le port d'Okajaga, c'est la routine. Les pêcheurs se reposent la journée après une longue nuit de pêche. Une embarcation légère s'observe dans le lac. C'est malgré la mesure qui avait été annoncée que les pays riverains devaient cesser cette activité à compter du 15 mai pendant 3 mois pour favoriser la reproduction des poissons. Les pêcheurs poussent un ouf de soulagement et remercient le gouvernement qui a rejeté la décision de l'autorité du lac Tanganyika. Nous travaillons parce que le gouvernement n'a pas fait sortir une note suspendant les activités de pêche. Nous continuons donc de pêcher. Nous n'avons pas de soucis. Nous sommes contents, sinon beaucoup de familles allaient mourir. La date est tombée et nous continuons de pêcher. C'est une bonne chose car nous n'avons pas d'autres activités. Tanganyika est notre seul gagne-pain. Nos familles en dépendent. Selon les pêcheurs burundais, la République démocratique du Congo, la Tanzanie et la Zambie n'ont pas également respecté cette mesure de l'autorité du lac Tanganyika.